Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que ça va? Tout va bien? Est-ce que vous allez bien? Tout va bien. Comment va ton estomac? Comment va ton estomac? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Avant même de poursuivre, bienvenue. Bienvenue à vous qui êtes présents. Bienvenue à toutes les personnes qui nous suivent en ligne. Bienvenue à notre grand marathon. Bienvenue à notre grand jeûne de prière. 40 jours de marathon, 40 jours de prière, 40 jours de joie, 40 jours de jeûne, 40 jours où nous allons chercher l'Éternel, 40 jours où nous allons prier, 40 jours où nous allons implorer, 40 jours où nous allons adorer, 40 jours où nous allons louer, célébrer, 40 jours où nous allons, que dire, je peux dire plein de choses vraiment, mais ces 40 jours sont des jours exceptionnels, amen. Gloire à Dieu parce que aujourd'hui c'est notre premier jour, gloire à Dieu parce que aujourd'hui c'est l'inauguration de notre grand marathon. Gloire à Dieu parce que aujourd'hui nous commençons. C'est une chose de commencer, mais c'est autre chose de terminer. Et j'ose croire que, avec la force du Seigneur, nous allons terminer. Amen, amen. Je vous sens un peu fatiguée. Ce n'est que le premier jour, bien-aimé. Fortifie-toi, fortifie-toi. Ne pensons pas au jour qui nous reste, mais vivons vraiment les instants présents. C'est une grâce exceptionnelle que nous avons de pouvoir être dans la maison de Dieu, dans le temple de l'Éternel, en ce premier jour de jeûne. Amen. Je vais nous inviter, nous tous, à nous tenir debout, parce que le Seigneur est déjà là, il nous a déjà précédés. Lorsque le programme des 40 jours est arrivé dans le cœur de notre berger, de notre papa, ces jours étaient déjà actés, ces jours étaient déjà préparés dans le royaume des cieux. Dans le calendrier divin, aujourd'hui, cette journée, cette date, le 19 septembre 2022, c'était déjà acté. Et aujourd'hui, nous y sommes, amen. Quelle grâce, quelle grâce. Voyons ce jour comme un jour de joie. Voyons cette inauguration comme un jour de joie, parce que ce que le Seigneur va faire au milieu de nous, la manière dont la main de l'Éternel va se manifester au milieu de nous, quelle grâce nous avons, oh la paix de l'Éternel, est-ce que nous pouvons réaliser cela? Quelle grâce nous avons de pouvoir vivre 40 jours intenses où nous allons chercher l'Éternel, mais certainement, nous allons le trouver. Est-ce que nous pouvons réaliser cela? Est-ce que nous pouvons réaliser la grâce que nous avons? Quelle grâce nous avons? Quelle grâce nous avons? 40 jours où sans aucun doute le Seigneur va se manifester. Sans aucun doute, nous allons entendre la voix de Dieu. Sans aucun doute, nous allons expérimenter l'Éternel, celui en qui nous avons cru. Sans aucun doute, nous allons voir sa main. Nous allons le voir agir. Sans aucun doute, durant ces 40 jours. Oh, la paix de l'Éternel, est-ce que nous pouvons réaliser cela? Est-ce que nous pouvons réaliser cela? Est-ce que nous pouvons réaliser cela? Quelle grâce! Quelle grâce, mon Dieu! Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce le Seigneur nous fait de pouvoir nous visiter! C'est une grâce immense, Seigneur, de venir auprès de toi. Il ne nous visite pas comme d'habitude, non. Il ne nous visite pas comme d'habitude, non, non.
Tu nous permets encore une fois, Seigneur, de nous avancer devant toi. Alors mais il nous visite parce qu'il veut commencer quelque chose avec la paix de l'Éternel. Il veut commencer quelque chose avec chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour cette grâce. De gloire en gloire. Parce que nous savons que c'est une grâce, Yahweh. Que tu vas faire, Seigneur. Quelle grâce nous avons. Seigneur, encore une fois, que tu vas agir dans nos vies. Nous savons encore une fois. Oui, nous avons conscience de cela. Nous sommes convaincus, nous sommes sûrs. Le Seigneur va nous faire du bien. Que nous ne puissions pas voir ces 40 jours comme des jours lambda, non. Tu vas nous visiter, Seigneur, tu vas nous parler comme jamais. Seigneur, tu vas nous parler comme tu ne l'as jamais. Ce sont 40 jours de grâce. Est-ce que nous pouvons chérir ce marathon? Nous te disons merci. Ne pensons pas à la vie en dehors du jeûne. Et être reconnaissant envers ce que tu vas faire. Ne pensons pas à tous ces éléments, tous les éléments dont nous allons nous priver, non. Ne pensons pas à cela. Merci pour ces moments. Mais soyons focalisés sur la grâce de Dieu. Seigneur, mon Dieu, pour ces temps que tu disposes. Seigneur, parce que je le crois. 40 jours de gloire. Que 40 jours de gloire, my God. 40 jours de gloire. 40 jours de gloire. Pour ce que tu vas faire, Seigneur, pendant ces 40 jours. Pour ce que tu vas faire. J'aimerais que quelqu'un puisse faire monter son esprit et réaliser cela. 40 jours extraordinaires. 40 jours hors du commun. Où ta vie peut changer à tout jamais. Où ta destinée peut changer à tout jamais. Tu as prévu de changer, de transformer nos vies à tout jamais. 40 jours que tu as prévu, Seigneur mon Dieu, de changer nos vies, de nous parler comme tu ne l'as jamais. Alors nous te disons déjà merci pour ce que tu as prévu. 40 jours, 40 jours. Nous te disons déjà merci pour ce que tu as prévu d'accomplir. 40 jours, nous te disons déjà merci pour ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Seigneur, parce que nous le croyons. Le Seigneur Jésus avait jeûné 40 jours. Quelque chose de bon pour chacun de nous. Notre Seigneur Jésus avait jeûné 40 jours pour chacun de nous. Et parce que nous marchons sur ses pas, la Bible dit il est le chemin. Alors nous voulons tout simplement te dire merci, Père de gloire. Nous allons jeûner 40 jours pour un but. Nous allons jeûner 40 jours pour un but. Nous allons prier 40 jours pour un but. Alors nous te disons merci, Seigneur, Père de gloire. Est-ce que nous pouvons élever nos esprits? Tu vas déjà faire, Seigneur mon Dieu. 40 jours pour un but. Je dispose déjà, Seigneur mon Dieu, toutes nos pensées. C'est la présence de nous sommes, Seigneur mon Dieu. 40 jours pour la présence de Dieu. Totalement disposés, disposés. 40 jours pour une rencontre avec l'Éternel. Que nous soyons totalement 40 jours pour une rencontre avec Dieu. 40 jours, Seigneur, Père de gloire. 40 jours, 40 jours. Nous puissions être totalement disposés. Est-ce que quelqu'un peut désirer le Seigneur ce soir? Nous voulons nous abandonner entre tes bras. Est-ce que quelqu'un peut désirer le Seigneur ce soir? C'est toi qui as prévu ces jours, Seigneur Père. Alors nous voulons te dire, Seigneur, nous avons déjà réalisé la caille à bosse. Parce que tu nous permets de te chercher. Tu nous permets, Seigneur, de te chercher. Alléluia. Et je le crois, Seigneur, mon Dieu, que tu nous allons te chercher. Est-ce que quelqu'un peut élever son esprit ce soir? Et nous encore une fois, Seigneur, Père de gloire. Nous venons nous élever devant toi, Seigneur. Nous venons nous abandonner devant toi, Seigneur. Nous n'allons pas attendre le deuxième jour. Abandonner tout ce que nous sommes, Seigneur, mon Dieu. Afin que tu puisses faire ce que tu auras prévu. Afin que tu puisses accomplir, Seigneur, ce que tu auras prévu. Seigneur, mon Dieu, dès le premier jour, nous ne voulons pas manquer une seule seconde. Nous ne voulons pas manquer une seule seconde dans ta présence. Nous ne voulons pas manquer une seule seconde, Seigneur, de ce jeûne. Dès le premier jour, mon Dieu, est-ce que nous pouvons bénéficier de tous ces jours, Seigneur, bénéficier de tous ces jours, Seigneur, avant de te consacrer, Seigneur, avant de te consacrer totalement à toi. Nous te désirons, Seigneur, c'est toi, Seigneur, que nous désirons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Parce que mon âme a soif de toi. Seigneur, nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif, Seigneur, de toi. Alors permets-nous, Seigneur, mon Dieu, de recevoir ce que nous pouvons désirer. Seigneur, remplis de toi. Nous désirons le Saint-Esprit de Dieu. Nous te désirons. Nous désirons avoir plus de toi. Nous désirons avoir plus de ton esprit. Plus de toi, Seigneur. Oui, nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés de ta présence. Nous sommes assoiffés de ta présence, Jésus. Seigneur, alors permets-nous de te chercher. Permets-nous de te chercher, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, de te rencontrer. Permets-nous de te chercher avec un ardent désir d'aller à ta rencontre. Nous avons besoin de te chercher avec un ardent plaisir, désir, Seigneur, de venir, de rentrer dans ta présence. Parce que je te vois, Seigneur, que durant ces 40 jours, Seigneur, tu prédisposes de nos cœurs. Durant ces 40 jours, Seigneur, ton Dieu, tu nous prédisposes, Seigneur, ton Dieu, à aller de gloire en gloire. Jésus, 40 jours, d'aller là
tu veux que nous allions. Alors nous voulons nous abandonner à tes mains. Et te dire, Seigneur, ô combien nous nous attendons à toi. Ô combien, Seigneur, nous avons besoin de toi. Ô combien, Seigneur, nous désirons te rencontrer. Ô combien nous désirons avoir plus de toi. Ô combien nous désirons, Seigneur, mon Dieu, aller beaucoup plus loin avec toi. Seigneur, car nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de toi, Seigneur. Manifeste-toi, que tu puisses te manifester, Seigneur. Car nous avons besoin de toi, Seigneur. Permets-nous d'aller beaucoup plus loin, Seigneur Jésus. Nous voulons aller beaucoup plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons aller beaucoup plus loin avec toi. Nous voulons aller beaucoup plus loin avec toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Soif de ta présence. Soif de toi, Seigneur. Soif de ta présence, Yahweh. Emmène-nous là où tu nous attends. Seigneur, car nous voulons plus de toi. Nous désirons plus de ta présence. Nous désirons plus de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Plus de ton esprit, Seigneur. Parce que je prends encore une fois, Seigneur, mon Dieu, que tu prévois ces temps. Alors nous voulons nous abandonner entre tes mains, Jésus. Nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Ne nous permet pas de passer à côté de ces séjours, Seigneur. Ne nous permet pas de passer à côté de ces moments de gloire. Maintenant, Seigneur. Mais permets-nous, Seigneur, de nous abandonner complètement, Seigneur. Disposer totalement, Jésus. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, mon âme soupire après toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupir après toi, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, 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 assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, Jésus, je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, je ne désire que toi, Yahweh, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, Seigneur, je ne désire que toi, je ne désire que toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, assoiffé
de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. A soif de toi. Mon âme soupire après toi.
sa soif devant l'Éternel. Seigneur, nous sommes là pour toi. Que quelqu'un fasse s'élever. Nous sommes là pour toi. Je veux entendre un guerrier dans la prière. Je veux entendre un guerrier dans la prière. Je veux entendre
Quel est ce Satan, quel est ce diable, quel est ce démon qui va résister dans une telle gloire? Bien-aimés, il y en a certains d'entre vous, avant même la fin des 40 jours, tu vas expérimenter quelque chose d'exceptionnel. Et quelle violence vous avez, tu me laisses même pas finir. Mon Dieu, mais ce que toi tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Je sais pas à qui je prêche, j'ai dit ce que toi tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Frères et sœurs, je ne suis pas l'orateur du soir, mais j'aimerais dire à une personne que si un homme rencontre le président de la République et sa vie change, si un homme rencontre un millionnaire et sa vie change, à combien plus forte raison si un homme rencontre Jésus-Christ de Nazareth? Ah, je ne sais pas toi, mais moi j'ai soif de gloire, j'ai soif de gloire, je ne sais pas toi, mais moi j'ai soif. J'ai soif de sa gloire, pas la gloire d'un homme, mais de la gloire de Dieu. J'ai dit pas la gloire d'un homme, mais la gloire de Dieu. Alors volontairement, nous ferons le mur des miracles à la fin. Et également, ça j'ai appelé ça l'autel des projets. Dis avec moi l'autel des projets. L'autel, c'est l'endroit où le feu descend. Donc le feu va descendre sur tous nos projets. Tu as loupé l'occasion de dire amen. Tu n'es pas révélé ou quoi? Alors, on va faire l'autel des projets et le mur des miracles à la fin, parce que nous voulons passer directement à la parole de Dieu. Oh, dis déjà au champion, à la championne, dis-lui félicitations pour le premier jour. Dis-lui félicitations pour le premier jour. Change de voisin, peut-être il est fâché, il n'a pas mangé sa viande. Allez, change de voisin, dis félicitations pour le premier jour. On acclame très fort pour ceux qui nous suivent au loin. D'autres sont restés à la maison à cause des enfants, les occupations. D'autres sont restés parce qu'ils habitent loin. On acclame plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Nous allons accueillir notre premier orateur. Pour tout vous dire, normalement, à cette heure-ci, papa devait déjà être en Angola. Ouais, il devait déjà être en Angola. Je l'ai mis sur la fiche seulement par la foi. Mais sans savoir que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, avait prévu qu'il soit avec nous durant les premiers jours, au moins pour nous donner le go. Voilà, Dieu sait faire les choses. Et je vous dis tout le temps, il n'y a pas de traversée de la mer Rouge sans Moïse. Je ne sais pas les autres, mais nous, nous avons notre Moïse. Alléluia. Je ne dirai pas trop de commentaires, mais c'est notre papa, c'est notre apôtre. C'est notre prophète, c'est notre évangéliste, c'est notre pasteur, c'est notre docteur, c'est notre héros. Alors, sous nos acclamations, accueillons très fort notre papa. Allons-y, allons-y, allons-y. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je sens que I feel nous passerons des moments très très merveilleux. We will have good moments qui vont propulser ta vie. That will propel your life à une autre dimension à jamais. To another dimension forever. Voilà pourquoi je voudrais que nous fassions encore quelque chose. That's why I want us to do something. Tiens, quand on va dans un stade. When we go to a stadium, les supporters crient victoire avant même le match. The supporters are shouting the victory before the game. J'ai un cri de victoire que j'aime. Poussez-moi. I have a shout of victory. I love to shout. On a gagné. On a gagné. On peut faire ce cri? Can we do avec this? Avec la musique. On a avec la main, avec les deux doigts. Hein? On peut faire ça, les gars. Donnez-moi la bonne gamme, la bonne gamme. On a gagné. C-
Continue, 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 continue. Continue. J'aime Jésus. Shout of joy. Quand je pousse ce grand cri de victoire. When I shout the shout of victory. Généralement, je saute. Generally, I'm jumping. Je fais comme oh, na, je saute. Oh, I'm jumping. I'm jumping. On va reprendre. Hein? We're going to do it again. Trop sauter. Saute un peu sur moi. Just jump a little bit. Pour dire que tu vas monter en dimension. To say that you will climb a dimension. En tout cas, merci au Seigneur. Thank to the Lord. Merci à notre Dieu. Thanks to our God. Pour cette retraite. For this retreat. Durant 40 jours. During 40 days. Mets-toi à la retraite. Put yourself in retreat. 40 jours, tu viendras tous les jours ici. 40 days, you will come here every day. Après ces 40 jours. After those 40 days. Ta vie va monter en puissance. Your life will raise in power. Si la gloire de la première maison. If the glory of the first house était déjà grande, was already great. La gloire de la deuxième maison, the glory of the second house sera beaucoup plus importante. Will be more greater. Attends, quand je dis ça, peut-être tu ne comprends pas bien. When I say that, maybe you don't understand. Si tu habitais en sous-location, if you live under house you rent, ou tu habitais un petit appartement, or you live in a little apartment, ou tu avais un petit boulot. Oh, you have a little job. C'est ça la première maison. This is the first house. Maintenant, après ce 40 jours, after the 40 days, ou je dirais même au cours des 40 jours, or during the 40 days, tout au long des 40 jours, all 40 days long, ce qui compte, c'est ton intention, c'est notre intention. What counts is your intention. Tu vas quitter le studio pour un grand appartement. You will leave the studio for a big apartment. Tu vas quitter les petits boulots pour un grand boulot. You will leave the little job for a greater job. Tu vas quitter la petite révélation de la parole de Dieu. You will leave à la grandeur de la révélation de Dieu. You will leave the little revelation to the greatness of God. À la puissance de Dieu. To God's power. Qui veut que ça soit comme ça dans sa vie? Who wants to be like that in your life? Maintenant pour l'église. Now for the church. De la première maison, de la gloire de la première maison, celle-ci. Of the glory of the first house, this one. Après le 40 jours. After the 40 days. Nous allons atteindre. We're going to reach. La gloire. The glory. De la deuxième. Of the second house. Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Je bénis le Seigneur pour sa présence. I bless the Lord for his presence. Pour cette retraite. For this retreat.
Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Merci pour le ministre de la paix de l'Éternel. Thank you for the minister of God. Merci pour la mère de la maison. Thank you for the mother of the house. Notre évangéliste Susanna. Our evangelist Susanna. Merci pour notre secrétaire général des églises de la paix de l'Éternel. Thank you for the secretary of the peace of the Lord. They don't know him. They don't know him. Je vais vous le présenter. I will introduce you. Le secrétaire général des églises de la paix de l'Éternel. The general secretary of the church, the peace of the Lord. C'est l'évangéliste Prosper. It's the evangelist Prosper. C'est le manager des églises de la paix de l'Éternel. He is the manager of the church, he is the peace of the Lord. C'est notre gestionnaire. It's our manager. De toutes nos églises. All of all the church. Ah, soyez bénis les ministres. Be blessed, the ministers of the Lord. Nous attendons impatience l'arrivée du pasteur Pedro. We're waiting for the coming of Pastor Pedro. Il sera aussi l'un des orateurs de cette grande retraite. He will be one of the preachers of this retreat. Et je salue tous les ministres et tous les éminents serviteurs et servantes. And I greet all the servants. Qui ont été missionnés pour cette église. That I've been brought for this church. Durant cette retraite de 40 jours. During this retreat of 40 days. Je vous salue si vous me suivez en direct. I greet you if you follow me online. Même si vous me suivrez plus tard. Even if you will follow me later. Nous vous aimons de tout notre cœur. We love you with all our heart. La paix de l'Éternel vous salue. The peace of the Lord is greeting you. Tous ceux qui nous suivent en ligne, nous vous saluons. All those online, we greet you. Je vous salue. I greet you. Vous êtes dans la bonne ligne. You are in the right channel. Ne zappez pas. Don't change. Restez connectés. Stay connected. Dieu va vous visiter aussi. The Lord will visit you too. Alors je salue toute l'église présente ce soir. So I greet all the church present here. Gloire à Dieu. Glory to God. Le nombre 40. The number 40. Nous allons nous asseoir dans quelques instants. We're going to sit in a few instants. Permettez-moi de donner seulement cet élément au combien fort. Allow me to give you this strong element. Le nombre 40. The number 40. A toujours caractérisé. Always show. Le preuve. The test. Pour atteindre l'excellence. To reach the excellency. C'est-à-dire dans la Bible quand on parle de 40. In the Bible when we talk about the 40. Tous ceux qui ont fait 40 jours de prière. All those who did 40 days of prayer. Ils ont atteint l'excellence. They reached the excellency. 40 ans de traversée des déserts pour Israël. 40 years of crossing the wilderness for Israel. Avant d'atteindre l'excellence. To reach the excellency. Avant de rentrer dans Jéricho. Before they enter in Jericho. J'ai revu encore. I go back with the Jericho yesterday. Oh, ce pays. This land. La ville de palmiers, la ville de parfums. The city of palms and perfume. Avant qu'ils arrivent dans cette ville. Before they came in this city. Ils ont fait 40 ans dans le désert. They did 40 years Mais in the wilderness. Fini par rentrer. But they finished to enter. Alors, crois aussi, bien-aimé. So believe too, beloved. 40 jours. During those 40 days. Ça va te propulser à l'excellence. It will prepare you to excellency. Les deux fils. The two sons. D'Ésaü. Of Esau. Ils ont eu. They had. Leur mariage durant le 40 ans. Their wedding during their 40 years old. Va lire. Go read. Dans Genèse chapitre 25, tu vas retrouver ça. Genesis 25. C'est aussi la durée des règnes des rois le plus respecté en Israël. How long lasts the kingdom? Comme le roi David. Like the king David, his kingdom was Il during a fait 40 years. 40 ans. He did 40 years. De règne. To of reign. Alors tu peux retrouver ce texte dans 2 Samuel chapitre 5. In 2 Samuel 5. Même son fils Salomon. Even his son Solomon. Le 40 ans est là. The 40 years is there. J'ai envie de m'adresser à toute l'église. I want to talk to all the church. Rentre dans cette retraite. Enter in this retreat. N'hésite pas. Don't hesitate. Pour ceux qui me suivent en ligne. For those online. Si tu hésites encore. If you're still hesitating. Je dois rentrer. I must enter. Dans ce jeûne. In this fast. Je t'invite. I invite you. Pour rien au monde. For nothing in the world. Ne loupe pas. Never miss. Rentre. Enter dans cette retraite, in this retreat, dans ce jeûne, in this fast, dans tous les cas, in every case, c'est le jeûne le plus faible que je n'ai jamais vu. It's the weakest fast I ever saw. On mangera bien. We will eat good. On mangera tout le fruit. We will eat all the fruit. Tous les légumes. All the vegetables. Yeah. Come. On t'attend. We're waiting Encore on you. Encore aujourd'hui. Till this day. Tu peux venir. You can come. Au cours de notre première séance. During our first session. Nous allons monter en puissance. We're going to raise in power. Lève un peu ta main droite. Lift your right hand. C'est le symbole de ce que nous allons monter. It's the symbol that we're going to rise. Monter, venir.
to rise nous me. Nous allons prendre la route. We're going to take the road. Vers une destinée. To a destiny. La destinée de notre bénédiction. The destiny of de our blessing. Notre excellence. Of our excellency. Au nom de Jésus, notre Sauveur. In Jesus' name. Donne-moi un grand amen, un grand amen, un grand amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Nous prenons place. May you sit. Parce que je donnerai plusieurs textes. Because I will give you many texts. Tous les textes que je donnerai. All the texts I will give même you. Même ceux-là que j'ai déjà donné. Even those I already gave. Ils font partie. They part. Des textes. Of the text. De notre méditation. Of our meditation. Le dernier texte que je viens de donner, le règne de Salomon, 1 roi chapitre 11, le verset 42. 1 Kings 11, verse 42. Alors, j'ai vraiment la grâce de Dieu. I have God's grace. Je ne peux pas dire que c'est un mérite de la part du Seigneur. I cannot say that I deserve this from the Lord. C'est plutôt vraiment une très grande grâce de la part de Dieu. But it's a huge grace from Lord. De procéder à l'ouverture de cette grande cérémonie. To be in the opening of this big ceremony. Je l'appelle cérémonie. I call it ceremony. Parce que c'est un acte solennel. Because it's a solemn act. Qui va faire rentrer ta vie à une autre grande dimension. C'est une grande cérémonie. That will put your life in another dimension. Dis-toi que tu es dans une grande cérémonie. Tell yourself you are in a big ceremony. Voilà pourquoi je me suis bien apprêté aujourd'hui. That's why I'm well dressed today. J'ai mis ma cravate. I put my tie. Parce que c'est une cérémonie. Because this is a ceremony. Il faut que je me présente bien devant Dieu. I need to present myself et well devant in front le peuple of God. De Dieu. And in front of the people of God. Parce que c'est une grande cérémonie. Because it's a big ceremony. C'est béni le Seigneur qui me fait grâce. I bless the Lord who make me grace. D'ouvrir cette grande cérémonie. To open this big ceremony. Qui va te faire rentrer bien aimé. That will make you enter sur les tapis rouges. In the red carpet. Moi, je veux te faire rentrer I will make you sur les tapis rouges. In the red carpet. Peut-être tu n'as jamais marché sur les tapis rouges. Maybe you never walk in au red carpet. Au cours de cette retraite. During this retreat. Moi, je veux te faire rentrer pour que tu marches sur les tapis rouges. You will enter in the red carpet. Si tu veux, if you want. Amen fort. Amen. Alors, je voudrais revenir à une image que j'avais projeté la toute dernière fois quand nous avons jeûné durant 30 jours. I want to go back in an image when we fast last year during 30 days. Je ne sais pas si la technique peut déjà me mettre l'image. I don't know if the technique can put us the image. De la montagne. Of the mount. Parce que moi je vais parler de la notion de la montagne. Because I will talk about the notion of the mountain. Est-ce que tout le monde voit? Everybody is watching? Bienvenue, bien-aimé Jonas. Welcome. Parmi ces hommes qui sont là et femmes, among those men and women over there, il y a toi aussi. You are here too. Tu m'entends? You listening to me? Mais le but n'est pas seulement de commencer. But the goal is not to start. Mets-moi la dernière photo où ils arrivent au sommet. Put me the last picture. Il va falloir que tu arrives jusqu'au sommet. You need to come to the top. Peut-être tu n'as pas encore bien compris. Maybe you didn't understand well. Monter la montagne veut dire to climb the mountain chercher l'excellence. Means to search the excellency. Et quand on arrive ici, and when we are over there, on lève le main, we lift our hands, on crie victoire, we shout victory. Pour moi, tout le monde va arriver. For me, everything will make it. L'amen n'est pas trop fort. Your amen is not that strong. En tout cas, moi, je veux arriver. But I will make it. Je veux arriver au sommet. I will come to the top. Pose la question au voisin, à la voisine. Ask to your neighbor. Tu vas arriver parce que moi je vais arriver. You will make it because I will make it. Tu vas arriver au sommet. You will come to the top. Affirme que moi. Say that yourself. Je vais arriver. I will make it. Certainement je vais arriver. Certainly I will make it. Mets-moi la première photo où il y a cet homme qui commence à monter avec un sac à dos. Retrouve-moi cette. Ah, voilà. Ça c'est toi. This is you. Dans les sacs à dos, in the bag, il y a toutes les promesses de Dieu. There's all God's promises. Mais tu t'es donné une discipline. But you gave yourself a discipline. Tu vas ouvrir seulement ton sac à dos. You will only open your bag. Quand tu vas arriver au sommet de la montagne. When you will come in the top of the mount. Dans tous les cas, dans cette position. In this position. Il est déséquilibré. It's unbalanced. Il ne peut pas ouvrir son sac. He cannot open his bag. Il s'est dit, il faut que j'arrive jusqu'au sommet. He's telling himself, we need to go to the top. Quand je vais arriver au sommet, when I will come to the top, je vais faire mon bivouac.
And I will do everything. Je vais manger mon sandwich. And I will eat my sandwich. Je vais boire une bouteille d'eau. And I will drink a cup Parce of water. Parce que je suis arrivé au sommet. Because I'm in the top. Quand tu arriveras au sommet. When you will come to the c'est top. La bénédiction de Dieu. It's God's blessing. Qui va arriver? We will make it. Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Nous sommes en train de jeûner sous un grand thème. We are fasting under a big title. De gloire en gloire. For glory to glories. Est-ce que tu peux dire ça? J'ai envie d'atteindre la grande gloire. Répète avec moi. J'ai Can you envie say with me, I want to reach la big glory. Dis-le trois fois. Dis-le trois fois. I want to reach the big glory. Ah, c'est bien. Ah, ce sont des très bons étudiants. They are good students. Ah, c'est bien. Alors, la gloire. The glory. En hébreu. In Hebrew. Nous parlons toujours de l'hébreu parce que le français. Malheureusement, vient ou du grec ou de l'hébreu. Le Nouveau Testament a été reçu en grec et l'Ancien Testament a été reçu en hébreu. The Old Testament was in Hebrew and the new one it was in Greek. Et donc, pour mieux comprendre l'étymologie des mots, so to understand better the roots of the word, nous devons aller à la source. We need to go to the source. Et l'hébreu est notre source. And the Hebrew is our source. Pour pouvoir méditer et mieux comprendre ce que Dieu avait dit. To meditate and understand better what the Lord said. Alors la gloire en hébreu, il y a plusieurs mots, mais moi j'ai trouvé un qui me convient, c'est le mot kabod. The word glory, it's kabod. 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 En français, la gloire. In French, the glory. Mais en cherchant bien les synonymes, parce que je me suis dit, il faut que je trouve les synonymes. And searching, digging, I find another word. De la gloire. Of the glory. Prête bien attention. Follow me well, beloved. La signification de kabod en français. Kabod in French means. C'est la célébrité. It's a celebrity. Dieu veut te rendre célèbre. The Lord wants to make you famous. Plus que jamais. More than ever. Ta saison est arrivée. Your season is now. Tu as toujours parlé, tu as toujours vu. You always talk and tu see. Tu as toujours suivi. You always follow. La saison des autres. The season of others. Ta saison est arrivée. Your season is now. Le moment de rentrer dans ta vocation est arrivé. The moment to enter in your vocation is now. Le moment que tu rentres à l'usufruit de ce que Dieu a préparé pour toi est arrivé. The moment you enter to enjoy what the Lord prepared for you, it's coming. Alors, kabod peut aussi dire honneur. Kabod can mean honor. Durant ces 40 jours, during those 40 days, Dieu veut t'honorer. The Lord wants to honor you. On t'a toujours méprisé. They always neglect on you. On t'a toujours pris pour n'importe qui. They always think you have been everybody. Quoi. No, like a nonsense. Peut-être au sein de ta famille. Maybe inside your on family. On t'a toujours dit que tu es nul. They always say that ou you're not des good. Choses. Or you're doing things. On t'a dit que tu es nul. And they say you are not good. Tu ne vaux rien. You're worth nothing. Dieu veut te rendre la ta gloire. The Lord wants to give you back Dieu your glory. Dieu veut te mettre à ta place. The Lord wants to put you in your en place. En jeûnant et en priant. By fasting and praying. Dieu veut t'honorer. The Lord wants to honor you. La gloire veut aussi dire la richesse, c'est bon ça, la richesse. The glory means the wealth. Finalement. Finally. Kabod. Kabod. C'est aussi la richesse. It's the wealth too. La splendeur. The shining. Est-ce que splendeur est là aujourd'hui? Ah, il n'est pas encore là. Kabod veut aussi dire splendeur. Kabod means splendor. Dignité, c'est bon ça. Dignity. Tous ces mots. All those words. C'est toi. It's you. Dieu veut te rendre digne. The Lord wants to put you there. Dieu worth. Veut t'honorer. The Lord wants to honor you. Kabod veut aussi dire renommé. Oh, c'est beau ça. Kabod means renown. C'est-à-dire après ces 40 jours. That's mean after the 40 days. Ta renommée. Your renown. Sera beaucoup plus importante qu'avant. Will be more important than before. On a toujours connu la paix de l'Éternel. We always knew the peace Cette of the Lord. Cette église. This church. Dans laquelle tu te trouves. You are in. Mais après ces 40 jours. After those 40 days. Dieu. The law va nous propulser will prepare à une autre dimension plus importante. To another dimension more important. On va parler de la renommée de la paix de l'Éternel. Here we'll talk about the renown of the peace en of the France, Lord. In France, en Europe, in Europe, en Amérique, in America, en Afrique, in Africa. On va parler de la renommée. We will talk about the renown of the peace of the Lord. Quand je dis la paix de l'Éternel, when I say the peace of the Lord, je parle de toi. I'm talking about you. C'est toi l'église. You are the church.
Kabod veut se dire réputation. Kabod means reputation. Révérence. Reverence. Notoriété. Notoriety. Popularité. Famous. Voilà ce que nous allons tous vivre à la fin de ce 40 jours. This is what we're going to live during the end of the 40 days. Le Seigneur va t'honorer, bien-aimé. The Lord will honor you, beloved. Je veux répondre très rapidement à une question parce que je suis en train d'ouvrir le jeûne et prière. I want to answer quickly a question. Hier, l'évangéliste Prosper a fait une importante étude là-dessus. Yesterday, the evangelist did an important study about that. Qui nous a présenté ici au cours de notre premier culte. He introduced us during the first service. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Why we must fast? Aujourd'hui, je vais donner un autre élément de réponse. And today, I will give you another element of Peut-être answer. Peut-être si quelqu'un se pose des questions. Maybe somebody is asking himself Mais a question. Mais c'est beau déjà le dimanche, nous venons prier. We're coming to the Sunday to pray. It's wonderful. Mercredi, nous venons prier. Wednesday, we pray. Dans la journée, nous mangeons les tacos. During the day, we can eat tacos. Nous pouvons nous offrir tout ce que nous voulons, nous mangeons. We can eat everything we want to eat. Nous nous gavons de tout ce que nous We eat everything we want. Mais pourquoi est-ce que nous devons jeûner? But why we must fast? Écoute-moi très bien. Listen to me. Jeûner. To fast. Et la volonté de Dieu. It's God's will. Nous allons jeûner et puis nous allons prier. We're going to fast and pray. Parce que si on s'abstient de la nourriture. Because if we don't eat. On ne prie pas. We don't pray. Ça devient une grève de faim. It will be a start. Nous allons faire strike. 40 jours. We're going to do 40 days. C'est notre état d'esprit avant tout qui est en prière. It's our state of mind that is in prayer avant first. Avant de nous abstenir de viande et de poisson. Before we don't eat fish and meat. Toutes les nourritures lourdes. And all heavy food. Toutes les nourritures grasses. Every heavy food. Nous allons nous abstenir de toutes ces nourritures. We don't going to eat all of that. C'est la volonté de Dieu. It's God's will. Parce que Dieu a dit. Because the Lord says. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. In the book of Ecclesiastes chapter 3. Il y a un temps pour tout. There's a time for everything. Un temps pour manger. A time to eat. Et puis un temps pour jeûner. And a time to fast. Ça c'est le temps de jeûner. This is the time to fast. Vous savez. You know. Ton corps. Your body. N'est pas fait pour manger toujours, manger, manger. It's not made to eat always. Il y a des moments où toi tu as envie de manger. There's a moment you want to eat. Mais ton corps refuse de manger. But your body refuses to eat. Pour nous les enfants de Dieu. For us the children of God. Quand ton corps ne veut pas être nourri par la nourriture habituelle. When your body doesn't want to be fed, parce que ton corps a besoin d'être nourri par la nourriture qui vient du ciel. Because your body needs to be fed by the heavenly food. Jeûner. Fast. Moi, dans mon expérience, in my experience, je ne peux pas vivre seulement en mangeant, mangeant. I cannot live by only eating. Dans ma vocation, dans mon appel comme serviteur, in my vocation as a servant, et comme enfant de Dieu, and as a son of God, même quand j'ai envie de continuer de manger, even when I want to continue to eat, il y a des moments où ma gorge même est nouée, veut pas recevoir la nourriture. There's moments my throat is tied. Et en ce moment-là, je comprends que Dieu. In this moment, I understand God. Ne veut pas que je mange. Doesn't want me Mais to Dieu eat. Mais Dieu veut que je sois nourri de sa parole. But the Lord wants me to be filled by His food. By His food. Jeûner, bien-aimé. To fast, beloved. C'est la volonté de notre Dieu. It's the will of the Lord. Tous nos pères dans la foi. All the fathers in the faith. Ont jeûné. Fast. Et prier. And pray. Abraham. Abraham. Notre père dans la foi, l'un de nos pères dans la foi. One of the fathers in the faith. Qui a passé une grande partie de sa vie dans le désert. We did a long part of his life in the Vous wilderness. Savez que dans le désert, y a pas de nourriture. You know, in the wilderness, there's no food. Y a pas d'eau. There's no water. C'est-à-dire qu'il a passé sa vie aussi à jeûner. That means he passed his life fasting. Notre Seigneur Jésus. Our Lord Jesus. Aussi. Too. Il était parti jeûner dans le désert. He went to fast in the wilderness. Donc jeûner fait partie de notre vie. So fasting is part of our life. Comme nous pouvons nous rendre compte. As we can understand. On ne peut pas vivre seulement en mangeant, en mangeant, en mangeant. We cannot live only by eating and eating again. Il y a un moment pour manger, manger, manger. There's a moment to eat, to eat. Et durant ces 40 jours, during those 40 days, nous allons manger, manger, manger la parole de we're Dieu. We're going to eat, eat, eat the word of God. Et Dieu nous bénira. And the Lord will bless us. Au cours de cette introduction, during this intro, de notre grande retraite, of our big retreat, de gloire en gloire, from glory to glory, je vais parler de la notion de la montagne. I will talk about the notion of the mount. Dans notre quête de rentrer dans la grande gloire, in our quest to enter in the big glory,
J'ai envie de parler d'une étude que j'ai faite sur la montagne. I want to talk about the study I did about the mountain. Je vous ai montré une image. I showed you an image. Il y a des gens qui sont en train de gravir la montagne. This person was climbing the mountain. La recherche de quelque chose de très fort. They research for something heavy. 40, c'est l'excellence. 40 is the excellency. Durant les 40 jours, mes amis. During the 40 days, beloved. Nous voulons atteindre l'excellence. We want to reach the excellency. Mais nous ne pouvons pas atteindre l'excellence si nous ne montons pas la montagne. We cannot reach the excellency if we don't climb the mount. Pour la grande histoire de notre église, celle-ci. For the big history of this church. Quand nous avons commencé notre église. When we start the church. Il y a maintenant quelques dizaines d'années, un peu plus. More than 10 years ago. Nous avons suivi les modèles de gravir la montagne. We followed the path of climbing the mount. Nous prions de samedi, un samedi par mois. One Saturday per month. De 8h à 18h, on ne mangeait pas, on ne buvait pas. From 8 a.m. to 6 p.m., we don't nous avons eat fait and drink. Cet exercice environ un an. We did this exercise during one Et year. Après, nous avons commencé à jeûner durant 3 jours à sec. And after that, we continued to fast 3 days dry. Les 3 derniers jours de l'année. The 3 last days of the year. On mangeait, on s'égavait durant les jours de Noël, on organisait une grande fête. We organized a big feast during on mangeait, on Christmas. Buvait, on dansait. We eat, drink, and dance. Et les 3 derniers jours de l'année. And the 3 last days of the year. À sec. Dry. On ne mangeait pas, on ne buvait pas. We don't eat and drink. Et c'est ce qui a produit ce que nous avons aujourd'hui. And this is what produced what we have today. De gloire en gloire. From glory to glory. Crois maintenant, bien-aimé. Believe now, beloved. Après ces 40 jours, after those 40 days, nous irons dans une autre grande gloire. We will go in another big glory. Où Dieu va nous conduire. Where the Lord will lead Alors us. Alors que nous jeûnons premièrement un samedi où on ne mangeait pas, on buvait pas. Why we fasting a Saturday we didn't drink or Après eat. Les 3 derniers jours de l'année, on jeûnait à sec. After the 3 last days of the year, we dry fast. Et puis nous avons fait entre-temps aussi plusieurs veillées de prière. And we did a lot of prayer vigil. Encore aujourd'hui. Till this day. Nous envisageons toujours de faire des veillées de prière. We want to do prayer vigil. Nous sommes seulement pénalisés par les mesures de sécurité d'hygiène. It's only because of the security measure to do. À cause de l'épidémie. Because of the pandemic. Mais cette église a été aussi bâtie. But this church was built too. Non seulement dans des moments de jeûne. Mais aussi des veillées de prière. In moment of fast, but in prayer vigil too. Et après, nous avons fait des jeûnes d'une semaine. After we fast during 1 week. De 12 jours. 12 days. 15 jours. 15 days. 21 jours. 21 days. L'année passée, 30 jours. And last year, 30 days. Et cette fois-ci. And this time. 40 jours. 40 days. Pour nous propulser à un autre niveau très important. To propel us in another important level. Alors, en parlant de la notion dans la quête de la gloire de Dieu. Following the quest of God's glory. Premier élément. First element. La chaîne des montagnes d'Ararat après le déluge. The chain of mount of Ararat after the flood. Les 40 jours, on les retrouve pour la toute première fois dans la Bible lors du déluge qui tomba sur la terre. On va lire ce texte. We find the first time before the days during the flood on earth. Genèse chapitre 7. Genesis 7. Alors que tout allait bien. Everything was all right. Tout allait très bien. Everything was all right. Mais pour atteindre notre niveau. But to reach another level. Ah, Dieu est arrivé à prendre une décision. The Lord took a decision. Genèse chapitre 7, verset 12. Genesis 7, 12. Dieu regarda la terre. Et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix. Sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux le détruire avec la terre. C'est-à-dire que tout allait bien. That's mean everything was all right. J'ai envie de commencer de parler de la notion de sanctification. I want to start by talking about the notion of sanctification. Bien aimé, nous ne pouvons pas nous attendre à monter en puissance. We cannot wait to rise in power. Si je ne vous parle pas de la notion de sanctification, purification. If I'm not talking about the notion of sanctification. La terre que Dieu avait créée. The earth the Lord created. Tout allait très bien. Everything was all right. Mais à un certain moment, Dieu s'est rendu compte. At a certain moment, the Lord understood. Que pour atteindre notre niveau.
to reach another level. Pour aller beaucoup plus loin dans ce que lui Dieu il voulait. To go further in what the Lord wants. Il a fait tomber la pluie. He make fall the rain. Durant 40 jours et 40 nuits. During 40 days and nights. Pour tout nettoyer. To clean everything. Pour refaire tout à neuf. To do everything brand new. Durant les 40 jours. During the 40 days. Dieu veut tout nettoyer. The Lord wants to clean everything. Dans ta vie. In your life. Dieu veut mettre de l'ordre dans ta vie. The Lord wants to put some order in your life. Il va falloir bien aimer de t'abstenir de la nourriture habituelle. You need to stop the usual food. Parce que Dieu veut te nettoyer. Because the Lord wants to clean you. Même le médecin dit. Even the doctor says. Trouver ce qui dérange ta vie. To find what disturbs your life. You need to be fast. Pour qu'on trouve. So we can find. Dieu veut te nettoyer. The Lord wants to clean you. Dieu veut te purifier. The Lord wants to purify you. Dieu veut mettre tout en œuvre au sein de notre église. The Lord wants to put everything new c'est in ce our qu'il church. A fait. This is what he did. À cette époque. Back in those days. Il avait tout détruit. He destroyed everything. Il avait tout détruit, tout exterminé. He exterminate everything. Hommes et femmes. Men and women. Tous les animaux. All the animals. Tout ce qui vivait. Everything that lived. Était exterminé. Was exterminated. Mais comme Dieu est bon. Because the Lord is good. Comme Dieu est fidèle. Because the Lord is faithful. Noé avait trouvé grâce devant Dieu. Noah found grace in front of God. Alors Dieu va dire so à Noé. Lord will say to Noah. Construis l'arche. Build me an ark. Construis-toi l'arche. Build me an ark. Entre. Enter. Toi. You. Ta femme. Your wife. Tes trois fils. Your three sons. Sem, Cam, et Japheth. Shem, Ham, and Japheth. Rentrez dans l'arche. Enter in the ark. Noé. Noah. Prends aussi des animaux. Take animals. Sept couples des animaux purs. Seven couples of pure animals. Même des animaux impurs, ça ne fait rien. Even unclean animals. Fais-les tous rentrer dans l'arche. Make them all enter in the ark. Fermez la porte. And close the door. Et Dieu a pris la clé. And the Lord took the key. Il a amené la clé. And he brought the key. Est-ce qu'on peut me mettre l'arche? Can you put me the ark? Parce que je vais inviter tout le monde. Because I will invite everybody. Qui m'accompagne? Who will follow me? Si tu veux rentrer dans cette arche. If you want to enter in this ark. C'est-à-dire en dehors de l'arche. That means outside the ark. C'était la mort. It was the death. Durant 40 nuits. During 40 nights. 40 jours. 40 days. Dieu avait ouvert toutes les écluses, toutes les sources d'eau. The Lord opened all the source of water. Pour tout exterminer, tout nettoyer. To clean everything. J'ai une invitation solennelle à te faire. I have a solemn invitation to make you. Nous sommes le premier jour. We are the first day. Je suis en train d'inviter tout le monde à rentrer dans cette arche. I'm inviting all the church to enter in this ark. Comme tu es là. As you are here. Pour moi. For me. Tu es prêt. You're ready. Pour rentrer dans l'arche. To enter in the ark. Lève un peu la main, je veux voir ta confession. Lift your hand, I want to see your confession. C'est une invitation gratuite. It's a free invitation. Rentre dans l'arche. Enter in the ark. Noé rentrera dans cette arche. Noah will enter in the ark. Lui-même. Himself. Sa femme. His wife. Ses trois enfants. His three sons. Et les femmes de ses trois enfants. And the wife of the three sons. Et les animaux que Dieu avait donné l'indication. And the animals the Lord gave the indication. C'est-à-dire Dieu veut perpétuer la génération humaine. Want to continue the human generation. Par Noé. Through Noah. Nous sommes cette famille. We are this family. Nous sommes en train de rentrer dans l'arche. We are entering an ark. Si les membres, les autres membres de ta famille ne sont pas encore rentrés dans cette retraite de 40 jours, if others members of your family didn't enter yet in the 40 days of fast, quand tu vas rentrer à la maison, when you will enter home, tu leur diras, you will tell them, papa pasteur nous a dit, daddy pastor says, nous devons rentrer dans l'arche, we must enter in the ark, parce que si tu ne rentres pas dans l'arche, because if you don't enter in the si ark, si tu restes à l'extérieur de l'arche, if you stay outside the ark, c'est la mort, it's the death. C'est très indispensable que tu rentres dans l'arche. It's very essential for you to enter in the ark. Je bénis Dieu parce que nous rentrons dans cette arche. I bless the Lord because we are entering in this ark. Ce qui s'est passé après leur rentrée dans l'arche. What happened after the entry in the ark? La pluie va tomber. The rain will fall. Va tout exterminer. It will exterminate everything. Durant ces 40 jours bien-aimés. During those 40 days, beloved. Oh, quelle pluie qui va tomber ici. What a rain that will fall here. Ici tombera des pluies très violentes. Here a violent rain will fall. La pluie des grêlons va tomber. The big rain will fall. C'est-à-dire la puissance de Dieu
Ici va se manifester d'une manière extraordinaire durant les 40 jours. God's power will manifest during those 40 days. Afin de nettoyer, sanctifier ta vie. To clean and sanctify your life. Afin de nettoyer l'église. To clean the church. Parce que Dieu veut refaire toutes choses. Because the Lord wants to do everything back. Si tu comprends ce que je dis, lève un peu la main, je veux voir. If you understand what I'm saying, lift your hand. Dieu veut te nettoyer. The Lord wants to clean you. Dieu veut te refaire tout neuf. The Lord wants to make you brand new. Tout neuf. Brand new. Alors Noé est rentré avec toute sa famille. Noah entered with his whole family. C'est-à-dire que tout au long de ces 40 jours, that's been all these 40 days long. Dieu veut nettoyer toute ta famille. The Lord wants to clean all your family. Dieu veut sanctifier toute ta famille. The Lord wants to sanctify all your family. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, si tu vivais dans une petite maison, that's why I said earlier, if you're living in a little house, puisque tu acceptes de rentrer dans l'arche, because you accept to enter in the ark, à la fin de ce 40 jours, in the end of the 40 days, du petit appartement, tu vas rentrer dans un grand appartement. From a little apartment, you will have a big apartment. Du petit boulot, tu vas avoir un grand travail. From a little job, you will have a big job. Malheureusement, ça existe. Sadly, it exists. Georgie, malheureusement, ça existe. Des gens qui dorment dans des salons de personnes. It is this person who lives sleeping in the living room of other person. Il n'a pas d'habitation. He didn't have a house. Il trouve quelqu'un, un ami. He finds a friend. Il dit, héberge-moi durant quelques temps. He said, let me go to your house a few times. Et avant de dormir, and before he slept, il faut qu'il attende tout le monde. He needs to wait everybody. Rentrer dans sa chambre. Enter in their room. Après, il va trouver un petit coin. After we'll find a little corner. Il met son matelas. He put his bed. Et il dort. And he's sleeping. Le matin, très tôt, in the morning, very ceux early. Qui travaillent très tôt vont passer, those who work early will pass. Ils vont le trouver en train de dormir. They will find him sleeping. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils what vont they will do? Sauter. They will go over here. Ah, quelle humiliation. What a humiliation. Tu te trouves dans ces cas-là. If you are in this case. Mon Dieu. My God. Va te donner un appartement. We'll give you an apartment. Mon Dieu va te donner un grand appartement. My God will give you a big apartment. Si tu avais un petit boulot, mon Dieu va te donner un big boulot. If you have a little job, my God will give you a big work. Si tu gagnais le SMIC, mon Dieu va te donner un bon salaire qui paye 5000 euros. C'est possible. If you have a low salary, the Lord will give you a big salary of 5000. Rentre seulement dans l'arche. Just enter in the ark. Quelqu'un veut confesser avec moi disant, je rentre dans l'arche. Somebody wants to confess with me, I will enter in the ark. Rentre dans l'arche. Enter in the ark. Noé est rentré avec toute sa famille. Noah entered with his whole family. Aussi les animaux. And the animals too. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans ce jeûne. That means you must enter in this fast. Avec ton entreprise. With your company. Avec ton travail. With your work. Avec ton ministère. With your ministry. Avec tout ce que tu fais à l'église. With everything you're doing in the church. Avec ta prière. With your prayer. Tout ce que tu possèdes. Everything you possess. Rentre dans l'arche. Enter in the ark. Quand tu sortiras. When you will go out. Tu ne seras plus la même personne. You will never be the same person. Crois à ce que je te dis. Believe in what I'm saying. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette arche? What happened with this ark? 40 jours et 40 nuits après. 40 days and night after. La pluie s'était arrêtée. The rain stops. Et qu'est-ce qui va arriver? And what will happen? Genèse chapitre 8. Genesis 8. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Et les eaux s'apaisèrent. Les 40 jours vont finir. The 40 days will finish. Mais quand les 40 jours vont finir, but when the 40 days will finish, il y a un vent qui va passer. A wind will pass. Le vent, c'est la puissance de Dieu qui va se manifester. The wind is God's power that will manifest. Ici même, bien aimé. Over here. Ta vie ne sera plus jamais la même. Your life will never be the same. Dieu va te visiter. The Lord will visit you. Dieu va te purifier. The Lord will purify you. Dieu veut visiter tous les domaines de ta vie. The Lord wants to visit all the domains of your life. Laisse-toi conduire. Let yourself lead. Parce qu'après ces 40 jours, because after those 40 days, un vent fort viendra. A strong wind will pass. Pour remettre toutes choses neuves dans ta vie. To put everything new in your life. Qui veut que ça soit comme ça? Who wants to be like this? Je sens que quelque chose de très merveilleux, très fort. I feel something marvelous, great. Va arriver. Welcome. Le septième mois, ah, c'est beau, verset 4. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Le chiffre 7 se répète encore comme hier. The number 7 repeat like yesterday. 7 sacrificateurs.
Seven priests qui portaient les trompettes retentissantes. Who carried the trumpets. Sept signifie. Seven means. L'accomplissement. The fulfillment. Dieu va accomplir. The Lord will fulfill. Au cours de cette retraite. During this retreat. Dieu va accomplir de très grandes choses. The Lord will fulfill big things. Lève pas la main droite. Lift your right hand. Confesse la parole de Dieu avec moi. And confess the word of God with me. Au cours de cette retraite. During this retreat. Dieu va accomplir. The Lord will fulfill. De grandes choses. Great things. Dans ma vie. In my life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Donne un amen. Amen. Le septième. The seventh. Septième mois. The seventh month. 17e jour du mois. 17th day of the month. Le chiffre 7 est répété ici deux fois. The number 7 is repeated twice. C'est-à-dire que Dieu veut te bénir plusieurs fois. That means the Lord wants to bless you many times. Tout ce que tu avais avant. Everything you have before. Dieu veut multiplier. Qui croit ce que j'ai dit? The Lord wants to multiply. We believe in what I'm saying. Tout ce qui a été écrit là était pour nous. Everything that happened with it was for us. C'est ce que Dieu veut opérer dans ta vie. This is what the Lord wants to operate in Alors, your life. Alors le texte ici dit au verset 4. So the text says in verse 4. Le septième mois. The seventh month. En ces jours-là. In this day. L'arche s'était arrêtée. The ark stops. Sur les montagnes d'Ararat. On the mountains of Ararat. C'est-à-dire sur une chaîne de montagnes. That means in the chain of mount. Les études disent que cette chaîne de montagnes se trouverait en Arménie. The study said this chain of mount is in Armenia. Les scientifiques disent qu'ils se sont rendus plusieurs fois pour effectivement voir le vestige de l'arche de Noé. The scientists said they've been over there to see the ark of Noah. Mais les études disent que cette montagne est très très longue, elle est très haute. But the study said this mountain is very high. Cette montagne est remplie de neige. And it's full of snow. Qui n'arrive pas d'atteindre les sommets. De la montagne. So they cannot climb to the mount of this mount. Mais cette chaîne se trouverait en Arménie. But this mount is in Armenia. Alors la signification d'Ararat. What Ararat means. En hébreu. In Hebrew. C'est fléau, fléau renversé. That means it's a reverse curse. Et c'est quoi un fléau, bien-aimé? What is a curse? Fléau veut dire it catastrophe. It means a damage. Désastre. A disaster. Grand malheur. A big curse. La guerre. The war. L'épidémie comme le COVID. A pandemic like COVID. Ce sont des fléaux. They are plagues. Alors Ararat veut dire. So Ararat means. Fléau renversé. A reverse plague. C'est-à-dire change. That's mean to change. Changement de situation. Change the situation. Dieu veut changer tout dans ta the vie. The Lord wants to change everything Dieu in your life. J'aime ça. Dieu veut renverser. The Lord wants to reverse. De la mauvaise situation. From the bad situation. De la mauvaise vie. From the bad life. De la maladie from que tu as. From the sickness that you have. Tout ce qui ne marche pas. Everything that didn't work. Dieu veut The Lord wants to reverse. The Lord wants to reverse. Fais comme ça avec moi. Do this like me. The Lord wants to reverse. The Lord wants to reverse the Lord. From the sickness to the healing. Du chômage à un travail. To the jobless to a work. Du déshonneur à l'honneur. From the dishonor to the honor. From the defeat to the victory. De l'humiliation à la gloire. From the humiliation to the glory. The Lord wants to reverse everything in your life. Believe to this word. Ararat, may you seat. Fléau renversé. A reverse plague. De l'épidémie à la guérison. From the pandemic to the healing. Du déshonneur à la gloire. From the dishonor to the honor. Dieu veut te donner de la célébrité. The Lord wants to give you celebrity. C'est ça, bien-aimé, la gloire. This is the glory. Du désastre à la solution. From the disaster to the solution. Des catastrophes à la bénédiction. From catastrophic to the blessing. C'est ce qui va arriver. This is what will happen. L'arche s'est arrêtée sur cette chaîne de montagnes. The ark stops in this chain of mountains. Ararat. En hébreu. In Hebrew. En français, c'est fléau. In French, renversé. Is a plague with birth. Changement de situation. Change of situation. Après les 40 jours. After the 40 days. Absolument. Absolutely. Les choses vont changer. The things will change. Moi, je le crois. I believe. Ah, Georgie. Yes, Daddy. Plus que jamais. More than ever. Le temps est arrivé. The time is coming. Que les choses. That the things. À la paix de l'éternel. In the peace of the Lord. Reverse and change. I love this God. Il est tellement fidèle. He's so faithful, beloved. 40 jours.
40 days. 40 nuits. 40 nights. Il a tout nettoyé. He cleaned everything. Il sauve Noé. He's saving Noah. Et toute sa famille. And his whole family. Il rentre dans l'arche. They enter in the ark. 7 mois. 7 months. Ararat. Ararat. L'arche s'est arrêtée. The ark stops. Tandis que je parle, while I'm talking, beloved, l'arche, the ark de l'Éternel, of the Lord, c'est cette église, is this church, s'est arrêtée dans une montagne, stops in the mountain. Cette montagne, c'est celle, c'est où this nous sommes. Is the one we are here. Dieu veut renverser toute chose. The Lord wants to reverse everything. L'échec va devenir à la victoire. From a failure to a victory in your life. Crois, believe, beloved. Parce que nous sommes montés à la montagne. Because we're raising the mountain. Plus rien ne sera comme avant. Impossible. Nothing will be the same. On ne peut pas jeûner. We cannot fast. Pray. Et rester le même. And stay the same. Impossible. Impossible. Ta vie. Your life. Absolument. Absolutely. Beloved. Va monter en puissance. We'll raise the power. Sinon, à quoi servirait de jeûner? Or what is served to fast? Bien-aimé, nous ne jeûnons pas pour jeûner. Beloved, we don't fast just to nous fast. Jeûnons parce que Dieu nous demande de jeûner. We fast because the Lord asks us to fast. Vous savez, jeûner c'est très difficile. You know, to fast is very hard. Si tu ne manges pas pour une raison quelconque, if you are not hated for a reason, tu ne souffres pas. You are not suffering. Mais si tu ne manges pas parce que tu jeûnes, but if you're not eating because tu of fasting, souffres. You suffer. Même pour une seule journée, even for one day, tu souffres. You will suffer quand tu jeûnes. When you're fasting. Maintenant, 40 jours. Now 40 days. Dieu m'a parlé 40 jours. The Lord talked to me 40 days. Invite l'église. Invite the church. À jeûner durant 40 jours. To fast during 40 days. C'était pour la toute première fois que la Bible va parler des 40 jours. It was for the first time the Bible talked about 40 days. L'arche va s'arrêter. The ark will stop. Sur cette chaîne de montagne Ararat. In this chain of Mount Ararat. Le fléau doit être renversé. The plague must be reversed. Tout ce qui était exterminé. Everything that must be exterminated. Était passé. Already passed. Bien aimé, tout ce que tu as vécu avant les 40 jours. Everything you lived before fait the 40 comme ça, days. Ça part à l'histoire. Do it like this. Ça c'est all. Du passé. It's the past. Ça c'est du passé. It's the past. Ça c'est du passé. It's the past. Avant les 40 before jours. The 40 days. C'est du passé. It's the past. À partir d'aujourd'hui. From today. Je rentre. I'm entering. Dans une nouveauté de vie. In a new life. Au nom de Jésus. In Jesus' name. J'écris victoire. Victory. Crois à ce que je te dis. Believe in what I'm saying, beloved. Nous voulons atteindre un nouveau sommet. We want to reach a new top. Un autre niveau. A new level. Au cours de cette période, bien-aimé. During this time, beloved. Des 40 jours. Of 40 days. Dieu veut refaire tout à neuf. The Lord wants to bring everything brand attends-toi new. Attends-toi durant cette période de jeûne et prière. Wait during this time of même fast. Même notre église ne sera plus jamais la même. Even our church will never be the same. Donc quand nous disons que nous avons culte à 10 heures. So when we say we are fast at 10 a.m. Viens avant 10 heures. Come before 10 a.m. Parce que si tu viens après 10 heures, because if you came after, tu ne trouveras plus de place. You will not find seat. Il y a seulement une voix qui a dit amen ici. There's only a voice with amen over there. Parce que les gens vont courir ici pour venir vivre la gloire de Dieu. Because the people will run here to live parce God's glory. Parce que les paralytiques vont marcher. Because the paralytic will walk. Parce que les aveugles vont voir. Because the blind will parce see. Que les sourds vont entendre. Because the deaf parce will que hear. Les morts vont ressusciter. Because the deaf will resurrect. Parce que les démoniaques seront délivrés. Because the devilish will be et delivered. Et la parole de Dieu sera annoncée. And the word of God will be announced. Avec une pleine assurance. With full instruments. Nous allons poursuivre cette mission. We're going to pursue this mission. Plus rien ne sera comme avant. Nothing will be the same. Au sein de notre communauté. Among our community. Dieu va tout nettoyer. The Lord will clean everything. Absolument bien-aimé. Absolutely si beloved. Dieu l'a fait à cette époque. If the Lord did that back de Noé, in those days of Noah. Dieu va faire aussi. The Lord will do it too. 40 jours on va jeûner. 40 days we're going to fast. Et que nous restions le même. And we'll stay the same. Impossible. It's impossible. Quand je jeûnais une journée le samedi. When I fast one day the Dieu Saturday. Dieu faisait des grandes choses. The Lord did great things. Après on a commencé à faire 3 jours de jeûne et prière. And after we continued to do Dieu 3 days of fast. Dieu a continué de multiplier. The Lord continued to multiply. 30 jours de jeûne et prière. 30 days of fast and prayer. Dieu a multiplié. The Lord multiplied. Après les 40 jours. After the 40 days. Je sens la gloire de Dieu. Sinto poder de Dieu. Je sens le pouvoir, la puissance de Dieu. Deus vai manifestar uma glória. Dieu va manifester une gloire. Incontestable. Une gloire incontestable. Por causa da sua fidelidade. À cause de sa fidélité. J'aime ce Dieu. Écoute ça. Listen. Deuxième élément. Second element. Le mont Sinaï. The Mount Sinai. Encore 40. Still 40. Je suis en train de parler de la notion. I'm talking about the notion de la montagne, of the mount dans la gloire de Dieu. In God's glory. Premier élément, first element. Le déluge.
The flute. L'arche. The ark. S'était arrêté. Stop. Sur le chêne des montagnes Ararat. On the chain of Mount Ararat. Pour tout refaire. To do everything. Dieu veut tout refaire. The Lord wants to do everything. Certainement. Certainly. Parce qu'il est fidèle. Because it's faithful. Je vais vous donner une deuxième notion sur les 40 jours. I will give you a second notion about le the Mount Sinai. The Mount Sinai. Exode chapitre 34. Exode 34. Moïse. Moses. Il va se rendre à la montagne du Sinaï. He will go in the mount of Sinai. Ah, c'est chant, il y a longtemps que je l'ai chanté. I sang this song long time ago. Gloire du Seigneur est descendu sur les monts du Sinaï. La gloire du Seigneur est descendue sur les monts du Sinaï. Oh, elle descend sur nous. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous. La gloire du Sinaï. Elle descend sur la gloire. Elle descend. La puissance. Elle descend sur nous. La gloire du Sinaï. Jéhovah, Jéhovah, dans son temps. Le loué des dieux vivants. Jéhovah est dans son temps. Le loué des dieux vivants. Loué, loué, loué le dieu vivant. Loué, loué, loué. Chante, 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 c'est moi. Loué. Son temple loué des dieux vivants. Je vais dans son temple loué les dieux vivants. Loué, loué, loué les dieux vivants. Loué, loué, loué le dieu vivant. À la montagne du Sinaï. Moses will go in the mount of Sinai. Chapitre 34. Chapter 34. D'Exode. Exodus. Verset 28. Verse 28. Ils prirent leur troupeau. Donc, je ne sais pas bon texte. Exode 34. Ah, c'est beau, c'est agréable. Tu vas monter, bien-aimé. You will climb, beloved. Tu vas monter en puissance. You will climb in power. Il est tellement fidèle, ce Dieu. He is so faithful, this God. Moïse fut là avec l'Éternel. 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Dieu a donné seulement les 10 paroles. The Lord only gave. Après avoir monté sur la montagne. After he went on the mount. Ça, c'est une autre notion de la dimension de la montagne. It's another notion of the dimension of the mount. Pour atteindre la grande gloire. To reach the big glory. Pour atteindre l'accomplissement de la vocation de Dieu pour toi et pour l'Église. To reach the fulfillment of God's word for you and the church. Nous avons eu besoin de monter à la montagne. We need to climb the mount. Nous sommes en train de monter, bien-aimés. We are climbing, beloved. Exactement comme Moïse. In the same way as Moses. Moïse monta à la montagne du Sinaï. Moses climbed the mount of the Sinai. 40 jours, 40 nuits, il ne mangea ni ne but. 40 days and nights, he didn't drink or eat. Pas de pain. No bread. Pas d'eau. No water. Pour conclure une nouvelle alliance avec Dieu. To conclude a new covenant with the Lord.
J'ai envie de te rappeler, bien-aimé. I want to remind you, beloved. Nous allons conclure une nouvelle alliance avec le Seigneur. We're going to conclude a new deal with the Lord. Tout ce que nous avons fait, c'est bien. Everything we did, it's Mais good. Dieu veut nous faire rentrer à une nouvelle alliance. But the Lord wants to bring us in a new covenant. C'est pourquoi nous sommes en train de jeûner durant 40 jours. That's why we are fasting during 40 days. Dieu va nous bénir. The Lord will bless us. Dieu veut renouveler son alliance avec moi. The Lord wants to renew his covenant with me. Dieu veut renouveler son alliance avec nous, bien-aimés. The Lord wants to renew his covenant with us. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Ce sont les 10 commandements. This is the 10 commandments. Dieu veut nouer une nouvelle relation avec nous. The Lord wants to have a new relationship Crois with à us. Ce que je t'ai dit. Believe in what I'm saying. Et plus rien ne sera comme avant. And nothing will be the same. En tout cas pour Moïse. So for Moses. Atteindre un autre niveau. To reach another level. Une autre dimension. Another dimension. Pour le peuple d'Israël. For the people of pour Israel. Pour conduire ce peuple jusqu'à la terre promise. To lead the people to the promised le land. Le pays où coule le lait et le miel. The land where flows Il fallait qu'il milk. Monte. He need to climb. Au Mont Sinaï. In the Mount Sinai. Nous sommes au Mont Sinaï. We are in the Mount Sinai. Tandis que je parle. While I'm talking. Nous sommes en train de monter. We are climbing. Nous allons redescendre. We will come down. Avec la grande gloire de Dieu. With the big glory Et of God. Et plus rien sera comme avant. And nothing will be like Cette before. Fois-ci, quand Moïse recevra les 10 commandements, This time when Moses will receive quand il descendra, when we'll come down, la gloire de Dieu était très importante. God's glory was so important. Les 70 anciens ne pouvaient pas regarder Moïse. The 70 elders cannot stare at Moses. Moïse était obligé Moses was in obligation de mettre le voile to put the veil sur son visage. On his face. Quand nous allons descendre When we're going to come down, après ces 40 jours, after the 40 days, beloved, la gloire de Dieu va descendre au milieu de nous. God's glory will come down among us. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu we're going to experiment God's comme power. On l'a jamais oh, like personne we never experiment. Nobody's understanding what I'm saying. Louons Jésus, louez, louez, louez. Louons Jésus, louez. Louons Jésus, louez le Dieu vivant. Il est puissant, louez le Dieu vivant. Troisième dimension de la notion de la montagne. Third dimension of the notion. Le jeûne et prière de notre Seigneur Jésus. The fast and prayer of our On Lord On ne pouvait Jesus. Pas s'en passer. We cannot pass over this one. Jésus est le chemin. Jesus is the way, la vie, the life, et la vérité, and the truth. C'est notre modèle. It's our role model. C'est notre principale source d'inspiration. It's our main source of inspiration. C'est notre Dieu. It's our God. Nous ne pouvons que passer par lui. We can just pass through him. Personne ne peut voir Dieu sans passer par Jésus. Nobody can see God without passing through Jesus. Même Jésus, even Jesus, notre modèle, our role model. Il a connu les 40 jours. He knew the 40 days. Matthieu chapitre 4. Matthew chapter 4. Après on va prier. And after we're going to pray. Après cette dimension. After the dimension. Nous prierons. We're going to pray. Et Dieu nous bénira. And the Lord will bless us. Jésus notre sauveur. Jesus our Lord. Il va aussi jeûner. He will fast too. Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Matthieu chapitre 4. Matthew 4. Pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Nous aurons faim de la puissance de Dieu. We're going to be hungry of God's power. Durant les 40 jours, during the 40 days, tu auras faim. You will be hungry. De manger du poisson. To eat some fishes. Manger de la viande. To eat some meat. Mais ne mange pas. But don't eat. C'est bien que tu aies faim. It's good for you to be angry. Quand tu auras faim, when you will be hungry, dis-toi c'est un bon signe. Tell yourself it's a good sign. C'est-à-dire ne mange pas. That means don't eat. Autre chose que ce que nous avons prescrit. Something else of the thing. Parce que said. Si tu t'égaves d'autre nourriture, because if you ate other things, tu vas passer à côté des bonnes choses. You will pass aside the good things. Et je t'assure que tu n'en mourras pas. And I assure you will not die. Les personnes qui ont la santé fragile, the people with fragile health, peuvent manger normalement. Can eat normally. Mais tous les jours, nous nous retrouvons ici pour prier. But every day we are here to pray. Pour assouvir la soif spirituelle. To put a hand on our spiritual thirst. En tout cas, nous, quand nous avons commencé le jeûne, était aussi notre thème principal. When we start our fast, one the main title.
Une église qui ne jeûne pas. A church will never fast. Je ne sais pas comment ils font. I don't know how they're doing it. Mais en tout cas pour notre église, but for our church, nous nous jeûnons. We're fasting. Et nous prions. And we pray. Et si notre Seigneur and here our Lord va jeûner, we'll fast, va prier, we'll pray, et la gloire de Dieu and God's glory s'est manifestée dans sa vie. Manifesting avant his que notre Seigneur Jésus before our Lord Jesus rentre dans son ministère. Enter in his ministry. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, bien-aimé. He fasted 40 days and nights. Pour atteindre l'excellence de sa mission. To reach the excellency of his mission. Pour accomplir ce que Dieu lui a demandé de faire. To fulfill what the Lord asked him to do. Il a jeûné. He fasted. Il a prié. He prayed. Nous aussi, bien-aimés. Us too. Nous avons besoin d'atteindre la grande gloire. We need to reach the big glory. À la fin de notre jeûne de 40 jours. At the end of the fast of 40 days. Dieu va manifester sa puissance. The Lord will manifest his power. D'une manière extraordinaire. In an extraordinary way. Plus personne ne pourra te retenir. Nobody can hold you. Le train de la paix de l'Éternel est déjà sur sa route. The train of the peace of the Lord is already in road. Le train a déjà démarré. The train already starts. Laisse-moi parler de toi-même. Let me talk about yourself. Tu es déjà sur la route de ta bénédiction. You are already in the road of your blessing. Plus personne ne pourra t'arrêter. Nobody can stop ni you. Ni le diable. Neither the devil. Ni Satan. Nor Satan. Ni la magie noire. Nor the black magic. Ni la magie blanche. Nor the white magic. Aucun seul marabout. No one witchcraft. Même le plus grand marabout de la France. Even the biggest witchcraft of France. Il ne pourra pas arrêter ta bénédiction. They cannot stop your blessing. Même la plus grande magie qu'il y a en Haïti. Even the biggest magic from Haiti. Impossible. It's impossible. Parce que la gloire de Dieu. Because God's glory est déjà dans ta vie. Is already in your life. Et le train de la bénédiction de Dieu. And the train of nous, mettons-nous debout bien aimé, nous allons prier. Personne ne pourra arrêter. Nobody can stop. La gloire et la puissance de Dieu. God's glory and power. Qui a dans ta vie. That is your life. Tout ce que nous avons à faire. Everything we have to do. Nous regardons vers les montagnes. We're staring through the mount. D'où viendra notre secours? Where will come our help? Ce qui est étonnant, Jésus finira encore sa vie. What is surprising, Jesus will finish his life. Sur la montagne. In the mouth. Encore à Golgotha. In Golgotha. Premièrement, il était à Gethsemane, montagne de la Gethsemane. He was in the mouth of Gethsemane. Et c'est là où il a donné sa vie. And this is where he gave his il life. Il a accepté d'être arrêté. He accepted to be arrested. Et il va marcher sur le chemin de la passion. And he will walk on the way of the passion. Avec sa croix. With his cross. Jusqu'à Golgotha. Till Golgotha. Le lieu de crâne. The cruel place. Le diable s'était trompé. The devil made a mistake. Laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Let me give you good news. Les difficultés que tu traverses aujourd'hui the difficulties you're going through ne pourront pas être comparées cannot be comparable à la gloire de Dieu God's glory qui est en train de venir dans ta vie. It's coming in your life. Une très très grande gloire. A very big glory. Tout ce que nous avons à faire. Everything we have to do. Nous fixons nos yeux. We're staring our eyes. Chantez-moi ce chant. Vers les montagnes. D'où me viendra le secours de mon Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Chante de tout ton cœur, bien-aimé. Sing with all your heart, Lord. Le secours de mon Dieu. Oui, je lève les yeux. Je lève les yeux. Oh, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur, que ta puissance, que ta
Le diable s'était trompé. The devil did a mistake. En clouant Jésus sur la croix à Golgotha. Now Jesus on the cross in Golgotha. Le diable croyait que c'est fini. The devil thought it was over. Le moment difficile, bien-aimé, que tu as traversé. The hard moment you've been through. Ont été des échelons pour aller plus loin. I've been scared to go further. Confesse maintenant la parole de Dieu. Confess the word of God with me. Dis, je reviens sur la montagne. Say, I'll go back to the Choisis mount. Une montagne. Choose a mount. Tu peux choisir la montagne d'Ararat. You can choose the mount of Ararat. Où Dieu a renversé le fléau. Where the Lord reversed the flu. Tu peux choisir la montagne du Sinaï. You can choose the mount of Sinaï. Où Moïse est allé chercher les 10 paroles. Where Moses take the text. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu. God's power. Tu peux aussi choisir. You can choose to la montagne où Jésus est allé jeûner. The mount where Jesus been to. Tu peux choisir Gethsemane. You can choose Gethsemane. Là où Jésus a été arrêté. Where Jesus was arrested. Si tu veux, tu peux choisir Golgotha. If you want to get choose Golgotha. Reviens là, bien-aimé, reviens. But come back tu pries avec mount. Moi. You pray tu dis, Seigneur, je reviens à la montagne. Je viens chercher ma victoire. Come on, nous prions, lève la voix. We pray, lift your oh, c'est très important. It's very important. Élève ta voix, bien-aimé. Lift your body to the nous allons à la montagne. We're going to the mount. Nous fixons nos regards vers la montagne. D'où viendra notre secours. Ta vie. Your life ne sera plus jamais la même. Will never be the same. Je vois par les yeux de la foi. I'm seeing through the eyes of the faith. Dieu est en train de renverser des fléaux. The Lord is reversing some plagues. Dieu est en train de renverser des catastrophes. The Lord is reversing some curses. Dieu est en train de renverser des guerres. The Lord is reversing wars. Des guerres. Wars. Les fléaux. The plagues. La catastrophe. The damages. Que tu traversais. That you've been crossing. Puisque tu as accepté. Because you accept de venir à cette retraite, to come to this retreat, rentrer à cette retraite, enter in this retreat, 40 jours, of 40 days, Dieu va renverser the love you prepared, tous les fléaux, all the plagues, et tu monteras en puissance, and you will raise the power. Lève tes deux, mains, bien-aimé, lève tes deux mains, lift your two hands, beloved, lève tes deux mains. Lift your two hands. Je sens les anges de Dieu. I feel God's angels. Sont en train de s'approcher. They are coming closer. S'approcher. Coming closer. S'approcher. Coming closer. Ils s'approchent. They close. 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 Je sens les anges. I'm feeling the angels. Viens de me rentrer dans le domaine spirituel. Enter in the entre dans le domaine spirituel. Enter in the les anges de Dieu. God's angels. Ils sont là. They are here. Ils sont en train de renverser. They are reversing. Tous les fléaux. All the plans. Tout ce qui ne marche pas. Everything that you do. Les anges. The angels. Sont en train de renverser. Are reversing. Tous les fléaux. All the plans. Tout ce qui ne marche pas. Everything that you do. Sans la présence, 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 il est là, 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 il est là,
Isaac est là. Le Dieu de Jacob est là. Le Dieu de Jésus est là. Le Dieu du Fils de Dieu vivant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu vivant est là. Bien aimé, lève bien ta main. L'ange de Dieu est en train de renverser. L'ange de Dieu est en train de renverser le fleuve. Il est en train de renverser le fleuve. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire. La gloire. La gloire. La gloire. Je sens la même gloire. Thank you, Jesus. Il y a une vague. There's a wave. Qui est en train de se renverser ici, bien aimé. That is reversing here. Il y a une grande vague de l'esprit. There's a big wave of the spirit. Bien aimé, la même vague de l'esprit. Beloved, the same wave of the spirit. Le même déluge. The same flood. Qui était tombé sur le monde that fell in the world, afin de tout nettoyer. To clean everything. C'est le même déluge. It's the same flu. Cette fois-ci, c'est le déluge but this time it's the flu du Saint-Esprit of the Holy Ghost, qui est en train de se déverser. That is flowing. Bien aimé, laisse-toi conduire. Beloved, let yourself lead. Laisse-toi visiter. Let yourself be visited. Laisse-toi visiter. Let yourself be visited. Parce que le Seigneur est en train de nettoyer. So the Lord is cleaning. Il est en train de nettoyer. He's cleaning. Il est en train de sanctifier. Il est en train de purifier. Oh Seigneur, merci. Lord, thank you. Merci de purifier. Thank you to purify. Il est là, bien-aimé. He is there. Je sens le déluge. I'm feeling the flu. Sois prêt, bien-aimé. Sens la présence de Dieu. Le déluge est là. The fruit is there. Le déluge est là. The fruit is there. Le déluge. Seigneur, Dieu, merci. Lord, thank you. Bien aimé, une grande vague. A big wave. La vague. The 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 wave. The wave. La vague. The wave. La vague. The wave. La vague. The wave. La présence de Dieu. La vague. La vague est en train de nettoyer. La vague de Dieu est en train de tout nettoyer. Ramenez la main ici. Ramenez tout ce qui est en train de se faire. Ramenez-la ici. Ramenez-la ici. La vague. La vague. La vague. La vague. La vague. La vague de l'esprit. La vague. Tout nettoyer. Les vagues.
ça, bien-aimé. Listen, beloved. Il y a une très forte présence de Dieu ici. There's a strong presence of God over there. Si c'est la magie qui est venue de l'Haïti, if it's the magic from Haiti, si c'est la magie noire, if it's the black magic, magie blanche, white magic, ton temps est arrivé. Your time is coming. C'est aujourd'hui. It's today. Tous les fléaux que tu as connus. All the plague you knew. Tous les fléaux. All the plague. Toutes les catastrophes. All the damages. Que tu as connus. You knew. Le Seigneur est en train de tout renverser. The Lord is reversing everything. Renverser. Reversing. Je sens une forte vague, bien-aimé. La vague est en train de venir. The big wave is la vague, la vague. Bien-aimé, levez-le. Ne loupe pas cette occasion. Lève-le-bas. Ne sois pas dans la distraction. Il y a une grande vague. There's a big wave. La vague. The wave. La vague. The wave. Fixe tes regards. Psalm 121. Vers les montagnes. D'où viendra notre secours? Et notre secours vient de la part de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Lève ta main, bien-aimé, lève ta main. La vague est encore là. The wave is there. La vague est là pour te visiter. The wave is la there vague to est là pour te purifier. The wave is there to purify. Nous prions, élève le bas. Ouvre ta bouche. Open. Dis, j'ai besoin de cette vague. And say, I need this. Parle, bien-aimé, parle. Speak below. Le fléau doit être renversé aujourd'hui. Oh, il faut que ça soit renversé. It need to be reversed. Des catastrophes en bien-être. Des chèques en victoire. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Confesse soi-même. Dis tout ce que j'ai connu jusqu'aujourd'hui. Il faut que ça se renverse. C'est aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui. 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 Pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Oh, feu de Dieu. Come on.
Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Beloved, don't be distracted. Il y a une très forte présence de Dieu. There's a strong presence of God. Le Seigneur est en train de renverser des fléaux. The Lord is reversing plague. La bassesse est en train de partir. Everything that had been low is going. L'humiliation est en train de partir. The humiliation is going. L'humiliation est en train de partir. The humiliation is going. Le manque de considération est en train de partir. The lack of consideration is going. Des échecs. Your failures sont en train d'être renversés. Are reversed. Un flot. A plague. Les fleurs, ce sont des catastrophes. A plague of damages. C'est ça, Ararat. This is Ararat. Alors nous sommes en train de renverser. So we are reversing. Il est écrit, bien-aimé. It was written, beloved. Qu'au septième mois. In the seventh month. Un vent fort. A strong wind. Avait soufflé. Blow. Pour marquer la fin du déluge. To mark the end of the flood. Fin des déluges. The end of the flood. Fin des moments difficiles. The end of hard moments. Dans ta vie. In your life. Dans la famille. In your family. Dans ta famille. In your family. Continue de parler à Dieu, bien-aimé. Continue to talk to the Lord. Continue de parler à Dieu. Continue to talk. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Les flots. The flu, les catastrophes, the damages sont en train d'être renversées. Il y a un vent fort, un vent puissant, un vent très puissant, un vent très très puissant. Si tu n'as jamais vu ça, ça c'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la manifestation. Thank you.
maître de tous les esprits. Nous te rendons ce soir toute l'honneur et toute la gloire. Merci pour ces excellentes minutes, heures que nous avons passées ensemble dans ta présence. Merci pour cette première journée, première soirée qui était véritablement une soirée de gloire. Seigneur, nous comprenons et nous savons que si tu as commencé avec nous ce soir de cette manière, ça veut dire que effectivement, nous allons continuer à monter de gloire en gloire. Si le premier jour est ainsi, c'est que pour tout le reste jusqu'aux 40 jours, nous vivrons une gloire que nous n'avons jamais expérimentée. Que ton nom soit béni, parce que toi tu n'as pas de limite, parce que toi tu n'as pas de mesure, parce que toi tu n'as pas de frontière. Que ton nom soit béni dès maintenant et tout jamais, au nom de Jésus. Amen. 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 Je disais amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer au niveau où il a été béni ce soir? Qui peut acclamer au niveau où il a été béni ce soir? Dis à ton voisin, tu as vu. Tell your neighbor you saw. Non, dis à ton voisin, tu as vu. Tell to your neighbor you saw. Peut-être lui, il est un peu dans la gloire. Change de voisin, dis-lui, est-ce que tu as vu? Maybe he's in the glory, so tell to your only neighbor. Comme je le disais dans ma prière tout de suite, like I said in my prayer, si nous commençons comme ça pour ce soir, if we start like this for tonight, ça veut dire que nous sommes vraiment au bon endroit. It means we are at the right place. Je ne sais pas pour toi, I don't know for you, mais j'ai déjà hâte de voir ce que Dieu va faire au milieu de nous dès demain. But I'm waiting what God will do tomorrow. J'ai l'impression qu'il n'y a que deux personnes qui sont comme moi. I think there are only Où sont people. Les personnes qui ont hâte de voir ce que Dieu va faire dès demain? Qui sont les personnes qui ont hâte de voir au dixième jour ce que Dieu va faire? Qui sont les personnes qui se disent jusqu'à la fin, on va tout voir, on va rien laisser? Ah, je croyais que vous étiez plus nombreux que ça. Tu m'encourages pas, tu m'encourages pas. Papa, merci beaucoup. Daddy, thank you. Merci beaucoup. Je disais, papa, merci beaucoup. I said, Daddy, thank you. Joignons nos mains ensemble. Ajoute des cris de joie. Ajoute des cris de triomphe. Ajoute des cris de gloire. Dieu sait vraiment bien faire les choses. God knows how to do things. C'est véridique quand je vous dis que à quelques heures près. It's true when I say like a few hours later. Voilà, nous aurions pas eu papa au milieu de nous. We would have missed daddy. À cause des contraintes et du manteau apostolique qu'il porte. Because of the ministry. Mais Dieu nous a fait grâce. But the Lord do us grace. Que vraiment nous puissions l'avoir ce soir. We can have him tonight. Et je savais où je sentais pourquoi. And I knew why. Mais maintenant mes yeux ont vu. But my eyes saw. Les yeux de quelqu'un ont vu. The eyes of someone saw. L'esprit de quelqu'un a senti. The spirit of someone saw. Alors mettons et joignons nos mains ensemble pour dire merci à papa. Let's clap our hands to say thank. Je croyais j'étais à la paix de l'Éternel pour entendre des. Je croyais que j'étais à la paix de l'Éternel pour entendre des choses qui vont avec les acclamations. Prends place juste quelques secondes, on a quasiment fini. You can see it. We're almost finished. Prends place juste quelques secondes. Take place for a few seconds. Les paniers sont déjà en place, s'il vous plaît, les amis. Nous voulons apporter à Dieu. We want to bring to God. Chaque soir, nous apporterons à Dieu. Every night we will bring to God. Là, tu as loupé l'occasion de dire amen. You missed amen. J'ai dit chaque soir, nous apporterons à Dieu. Every night we put to God. Tu es toujours pas là. J'ai dit chaque soir, nous apporterons à Dieu. Every night we bring to God. Cette offrande que tu donneras. This offering you will give. Chaque soir, c'est une offrande de gloire. Every night it's an offering of glory. Ne choisis pas ce qui est le plus médiocre. Don't choose something meaningless. Oh, ce qui est le meilleur. Give what the best. C'est pas une rémunération. It's not a remuneration. Parce que personne ne peut rémunérer papa. Because no one can pray daddy. Pour ce qu'il a dit ce soir. For what he said tonight. Mais cependant, but, c'est un acte de reconnaissance. It's an act of generosity. C'est un acte symbolique que nous posons. It's a symbol. Pour dire à Dieu, to say to God, Seigneur, tu nous as parlé. God, you spoke to Seigneur, us. Tu nous as visités. God, you visit us. À chaque fois qu'Israël.
everyday Israel vivait un moment de visitation, was living a visitation of obligatoirement, God. Mandatory, ils apportaient un sacrifice. They brought to God. Dieu disait à travers la bouche de Moïse, God said to Moses, que chaque tribu, que chaque famille, that every type, every family, puisse apporter un sacrifice. Can bring a sacrifice. Alors moi aussi, so me too, je nous dis bien aimés, I say to us, nous avons vécu la gloire encore ce soir. We live glory tonight. Amen ou pas amen? Amen. Je recommence, nous avons vécu encore la gloire ce soir. We live glory tonight. Et je dis une troisième fois, nous avons vécu la gloire ce soir. We live the glory tonight. Posons un acte. Let's put tonight. Apporte, je pèse mes mots, une bonne offrande. A good offering. C'est pas que les mercredis et les dimanches. It's not only Wednesdays and Sundays. Même les lundis. Even Mondays. Nous apportons une bonne offrande. We give a good offering. Lui qui n'a pas regardé le jour pour nous visiter. He didn't give time to visit us. Nous apportons aussi de tout notre cœur sans regarder le jour. We bring with our whole heart. Pendant que je parle, while I'm speaking, vous pouvez déjà frayer votre chemin. You can make your way. Les amis de la carte bleue sont là. The CB are here. Les paniers sont déjà présents devant moi. The basket are here. Fraye ton chemin. Make your way. Vous qui êtes devant, derrière, au fond, viens apporter de tout ton cœur. Come bring. Les paniers, vous les connaissez déjà. The basket, you know it. Viens dire merci à Dieu. Come thank God. À travers une bonne offrande. For a good offering. Vous êtes en ligne. You're online. Vous pouvez aussi apporter. You can bring too. Vous tous qui êtes en ligne. Those of you who are online. Le compte PayPal et les coordonnées bancaires. The PayPal are here. Sont en train de défiler. Alors, vous pouvez aussi vous joindre à nous. So you can come to us. En apportant de tout votre cœur. By bringing with your whole heart. Dieu bénisse toutes celles et ceux qui apportent. May the Lord bless everything que Dieu arrose et augmente encore vos greniers. May God arose. Parce que vous vous sacrifiez. Because you are sacrificing. Pour dire merci à Dieu. To thank God. Que l'Éternel puisse vous le rendre au centuple. May the God give it back. C'était ma prière pour les offrandes. It was my prayer for the et si offerings. Tu y crois avec moi, on acclame en disant un grand amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Name of the Lord be blessed. Papa l'a déjà reçu. That he said it. Mais je me permets encore de le recevoir. But I receive it too. Va recevoir l'homme de Dieu, l'ancien Jonas. Merci beaucoup. Soyez béni. Merci beaucoup, papa. Et dans la foulée, je vais aussi recevoir celles et ceux qui célèbrent un premier culte avec nous ce soir. I want to receive new people here. Vous nous avez rejoint pour ces 40 jours, you du moins. Vous êtes là ce soir. Je vois une maman qui lève days. La main. C'est une main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre debout. Oh, il y en a deux up. Finalement. There's two. Oh. Oh, j'aime pas comment tu acclames. Un lundi. On peut acclamer plus fort que ça. Amen. En plus, je vois, c'est des mamans, elles avaient certainement d'autres choses à faire. I see their mommies. Mais ce soir, elles sont venues, elles ont laissé leur maison. But tonight they came. À cause de vos sacrifices. Because of your sacrifice. Que Dieu vous le rende au sanctuaire. May the Lord give you back. Mets-leur le parfum de la paix de l'Éternel. Mets-leur. Give them the perfume of the peace of the Lord. Mets-leur le parfum de gloire, le parfum de gloire. The perfume of glory. Sous nos acclamations, merci de vous asseoir. Let's bienvenue. Welcome. Bienvenue. Qui dit amen? Le mur des miracles, s'il vous plaît. The wall of miracles. Quelqu'un, deux personnes pour porter le mur des miracles. Sous cette ère de musique, on va apporter ce mur des miracles, bien-aimé. This wall of miracles, beloved. Sert pour toute personne qui a des besoins. It's for everyone that has needs. Un besoin de guérison. A need of miracle. Un besoin de rédemption. A need of redemption. Le besoin d'une percée, une porte qui était fermée, qu'elle s'ouvre. A need of a breakthrough. Comme nous le faisons depuis l'année dernière, cette année, nous continuons encore. Like we do, like past years, nous we do invitons it now. L'Église
à écrire leurs besoins sur un papier. On the paper. Même si c'est plusieurs papiers, fais-le. Even if it's multiple papers, et nous collerons ces besoins ici and we put it on the wall. Pour dire que le Dieu qui lit dans nos cœurs, qui lise aussi ces papiers. To say that the Lord, he read our minds, et read si our il lit ces papiers, qu'il puisse exaucer nos prières. He can exhaust our prayers. Voilà pourquoi je l'ai appelé le mur des miracles. This is why I called it the wall of miracles. Parce que par la foi, nous croyons. Because through faith, we derrière believe. Chaque sujet de prière, il y a aussi un miracle. By every subject, there is a miracle. Alors pour gagner du temps, en une seule fois aussi, in one time, je demande à celles et ceux qui ont apporté leur projet, as for people that brought their le projet projects, d'une carrière, a project of career, le projet d'un investissement, a pro investment, le projet d'une restauration, d'une rénovation, a project of restoration. Tu as envie un jour de devenir maire, de you devenir want, député, you want one day to become de a mayor, devenir journaliste, to become a journalist, etc., etc. etc. Écris tout cela sur un papier. Write everything in a paper. Et tu viendras aussi déposer ici sur l'autel des projet. And you will bring it here in the altar of projects. Avant que nous puissions prier, before we pray, je demande I ask, que celles et ceux qui n'ont pas encore apporté leur sujet puissent le faire maintenant. For those who didn't bring their projects, la musique bring va it nous accompagner. The music. Et si tu n'as pas apporté aussi ton projet, and if you didn't bring your project, fais-le maintenant. Do it now. Parce que je vais prier. Because I will pray. Durant 30 secondes, gagnons du temps. S'il vous plaît, ferez votre chemin si vous êtes là. Make your way. Tu as ramené ton sujet de prière. You brought your project. Subject pour le mur des miracles, for the wall of miracles, ou ton projet, or your project, pour l'autel des projets, for the altar of fais ton chemin rapide, make your way, parce que nous voulons prier pour cela. Because we want to pray for this. Étends ta main là où tu es. Put your hand. Étends ta main là où tu es. Et tu vas prier avec moi durant une minute. And you will pray for me for a minute. Par la foi. Through faith. Et tu vas dire Seigneur. And you say Lord. Derrière tout sujet de prière. By every subject. Qui est dans ce mur des miracles. There is in this wall. Derrière tout projet. By every project. Qui est dans cet autel des projets. In this altar. Nous voulons. We want. L'accomplissement. Accomplishment. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Une, deux, trois. Faisons la prière tous ensemble. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Nous déclarons par la foi. We declare through faith. Nous déclarons par la foi. We declare through faith. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Tous ces projets. Every project. Tous ces sujets de prière. Every subject of prayer. Donneront lieu à des miracles. Will give miracles. Père. Father. Père. Father. Toi qui ne dépends ni du temps ni de l'espace. You doesn't depend on time. Toi qui ne dépends ni des saisons ni des circonstances. You doesn't depend on time. Nous sommes convaincus que tu agiras. We know you will act. Puissamment au milieu de nous. Powerfully. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. In Jesus' name we pray. Et nous disons tous un fort et grand amen en acclamant Jésus. Amen. Merci les amis. Alors je vais rapidement, comme le temps est déjà passé, je vais rapidement. Nous sommes là tous les soirs à partir de 17h. L'église est déjà ouverte. À 19h00, le culte commence. The service starts. Qui dit amen. Amen. Toi qui as été béni ce soir, reviens demain. Come back tomorrow if you were blessed. Samedi, ça c'est pour du lundi au vendredi. It's from Monday to Friday. Le samedi, Saturday. Nous sommes là à partir de midi. We are here from 12. Samedi, nous passerons plus de temps pour le service, pour la prière, pour l'affectation, pour l'impactation. We will be more focused on prayer. À partir de midi, from midnight, jusqu'à 14h30. Until 2:30. Et à 15h, in our tree, nous reprenons directement avec le culte, entre guillemets, normal. We start with the daily services. Qui dit amen. Amen. Dimanche, les horaires aussi. Normaux. Sunday, our usual services. Cette semaine, par la grâce de Dieu, this week, by the grace of God, nous avons entendu papa. We heard daddy. Cette semaine, par la grâce de Dieu, this week, by the grace nous of entendrons God, le pasteur Pedro. We'll heard the pastor Pedro et l'évangéliste Prosper. Qui veut relever un défi avec moi de dire je manquerai aucun des 40 jours. Qui veut faire ce défi avec moi? Say, I won't miss a day. Il y a le travail, il y a l'école, il y a les occupations, il y a les formations, il y a. Mais qui veut relever ce défi avec moi? Say, I won't miss a day during the que Dieu days. Te donne la force et tu le feras. May the Lord give you strength. Alléluia. Amen. Je l'ai dit rapidement, mais c'est déjà dans nos habitudes. Il y a également le matin, le réveil des aigles. The awakening. Dès dimanche prochain,
From next Sunday, j'afficherai les sujets de prière I will put the subject of prayer et les versets bibliques. And the verse. Je sais que l'année dernière, ça va aider beaucoup de personnes. I know last year it helped a lot Tous of people. Les départements recrutent, Every department recruits, notamment le ménage. Especially the cleaning Hier, crew. Je l'ai dit, une sœur m'a écrit. Yesterday I Alors ce soir, je répète, so I repeat it tonight. Nous recrutons tous les départements We recruit every department, et notamment le ménage. Especially the cleaning. Je cherche aussi une personne I'm looking for somebody sérieuse serious qui va venir me mettre chaque soir appuyé sur un bouton put every night qui va permettre que quand nous prêchons, nous voyons le temps ici qui reste. So we'll be available to see the Surtout time moi, here. Ça m'évite de dépasser. Especially me, I won't pass time. Je cherche une personne sérieuse I'm looking for someone qui va arriver serious. Avant 19h. That will come qui va ouvrir seven. Un ordinateur et qui va le fermer. That will open a c'est pas une question d'âge, je dis pas que c'est que les jeunes, même tu es maman, tu es papa, viens. If you're older, you can do it. Tu sais faire un mot de passe, tu sais appuyer sur un bouton, moi ça me suffit. Qui dit Amen. Amen. Donc tous les départements recrutent. Every Venez department recruits. Me voir moi-même directement. Come to see me directly. Et si tu es là, bien-aimé, And if you're here, je finis avec ça. I end by this. Si tu es là, if you're here, beloved, et que l'Esprit de Dieu te parle et te convainc And the Spirit of God talks to you. Pour soutenir financièrement les 40 jours. To financially help the 40 days. Viens me voir. Come to me. Tu le sais. You know it. Si Brunelia remet les affiches, If Brunelia put the announcement, certains viennent de très loin. Some come from far away, d'Allemagne, from Allemagne, d'Italie, from Italy, de Belgique, from Belgium, de province, etc. Ils ont besoin... Nous avons besoin de payer des billets d'avion, de payer des billets de train. We need to pay On doit payer des chambres d'hôtel. We need to pay hotels. Et ça, ce n'est pas avec le parler en langue. It's not with the speaking in tongues. Ça, c'est avec quoi? It's money. Oh, c'est avec quoi? No. L'argent. With money. Alors, nous voulons que nos invités soient dans le meilleur confort. So we want our guests to be in Même the most ceux comfort. Qui habitent en région parisienne, nous voulons qu'ils soient dans le meilleur confort. We want to be the most comfort. Alors, tu veux financer financièrement. You want to financially help. Aider. Help. Financièrement, c'est ce que je voulais dire. Financially, les 40 jours, 40 days, viens me voir. Come to me. Dès ce soir, From tonight, tu viens me voir. Come to me. On va trouver un moyen selon ce que Dieu t'a dit. We'll find a way, et Dieu te bénira. And the Lord will bless Dès you. Que nous finissons, As we finish, je dois voir Asia, I need to see Splendor, Asia, Splendor, et à côté, Amy et Dan, pour parler des 40 jours. To speak about the 40 days. Quelqu'un a été béni ce soir? Someone was blessed tonight? Qui va revenir demain? We'll come back tomorrow. Malgré la fatigue, qui va revenir demain? C'est juste les premiers jours qui sont durs. It's just the first day that Et comme a dit papa, on n'a jamais fait un jeûne aussi facile. We never did a sport that easy. À trois personnes, tu vas y arriver. Say to three people, you'll do it. Oh, dis-lui, tu vas y arriver. Nous nous mettons de vous. Stand up. J'attends pas la fin des 40 jours pour te le dire. I won't wait for the end of 40 days. Je te le dis dès le premier jour. I say it for the first day. Je suis fier d'être ton pasteur. I'm proud to be your pastor. Vous êtes une église merveilleuse. You're a marvelous church. Une église qui prie, qui aime Dieu. A church that prays Non, and acclame God. Pour toi-même. Applaud for yourself. Seigneur notre Dieu. Lord our Father. Nous te bénissons, Père, pour cette grande cérémonie. We bless you, Father, for the ceremony. Cette retraite que nous avons commencée. This retreat that we start. Nous te disons merci. We thank you. Pour ce que tu as commencé. For what you started. Nous croyons. We believe. Qu'il y a un grand vent qui va s'abattre sur nous. That a big wind will come Le us. Même vent qui s'était abattu. The same wind. Après le déluge. After the load. Un grand vent s'était abattu. A big wind. Pour refaire tout neuf. To make brand new. Nous croyons, Père. We believe, Father. Tout sera tout neuf. Everything will be brand new. Dans la vie de ce peuple. In this life. Nous les croyons. We believe. Nous les confessons. We confess it. Nous les prophétisons. We prophesy it. Que l'amour de Dieu, notre Père. The Lord of Father. Manifesté en Christ Jésus. Manifested in Jesus. Et ta grâce manifestée en Christ Jésus sur la croix. And your love. Merci Père. Thank you, Father. Et la communion de l'Esprit And the communion of spirit soit toujours notre partage. Be among us. Seigneur Dieu, Lord Father, que ce peuple reparte en paix May this people dans go leur home demeure respective. In their home with peace. Demain nous proclamons Tomorrow we proclaim la grande victoire the victory des retrouvailles ici in this place. Jusqu'à notre 40e jour. Until our 40 days, nous reviendrons we'll come back avec la même motivation de ce soir. With the same motivation to la même tonight, force et le courage the same strength qui vient de Jésus notre Sauveur. That comes from Jesus. Nous avons ainsi prié et nous disons victoire dans le nom de Jésus. Victory in Jesus name. Amen. Amen. Nous nous saluons par un saint baiser. Salut au moins 3-4 personnes.